Salut mon agent. Comment il va? On fait là, assis, tranquille, c'est la première fois. On est détente, ça fait longtemps. On a une salle de sport, mais on est détente. Ouais. On est où? On remercie encore une fois Gidia Fuite. Aujourd'hui, on passe quand on va faire des expériences TikTok, les life hacks, tu te rappelles? On avait déjà fait une fois. Ah, avec la canette de Coca Lax. Incroyable. Avec la baguette chinoise. Exactement, qui incroyable. C'était fou. Qui s'est ouverte. D'ailleurs, rappelez-vous, voilà, vous met un extrait. Il fait qu'il s'ouvre tout seul à un moment donné. Non. Mais il frotte avec quoi? Bâtard. Oh, truc de fou. C'est validé. Oh, mais regardez, c'est chaud. Heureusement que j'ai continué. Hein. Et du coup, c'est le deuxième épisode de cette vidéo. Ah, c'est le deuxième seulement. Attends, Pascal, cette vidéo est sponsorisée. Ah, donc faut mettre le costard. Exactement. Ah oh, ça sent la sponsor. Évidemment, Pascal, la vidéo du jour est sponsorisée. On les connaît, on a déjà travaillé avec eux, c'est... CyberGhost VPN. Eh oui, c'est encore eux. Si vous connaissez pas, c'est un des plus gros VPN. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un VPN? C'est un réseau privé virtuel et ça vous permet, entre autres, de protéger vos infos personnelles. Et moi qui voyage beaucoup, je suis souvent dans les gares et les hôtels. Ça peut m'aider, ça? Ouais, parce que quand t'es dans une gare ou un hôtel, parfois, tu te connectes sur un réseau Wi-Fi en public et ça peut potentiellement être chaud pour tes données personnelles. Et donc le VPN, en fait, il me protège. C'est ça. Des hackers, par exemple. Et autre truc cool, c'est que CyberGhost VPN, ça peut permettre de te téléporter. Comment ça, la téléportation, ça n'existe pas ça? Tu vas pouvoir changer ta localisation. Par exemple, tu peux passer de la France aux États-Unis et tu vas avoir accès à 40% de contenu en plus sur Prime Video, Netflix, etc. J'adore. Mais franchement, c'est pas une galère à utiliser. Franchement, non. Ils sont recommandés par plus de 14 000 personnes sur Trustpilot et ils ont 5 étoiles sur 5. Donc c'est bon. Apparemment, tu sais, moi j'ai un iPhone. Est-ce que ça fonctionne avec? Ça marche partout. Windows, Android, macOS, etc. Est-ce que tu penses que mes enfants peuvent profiter de ça? Évidemment, ton compte il est utilisable sur 7 appareils différents. Donc oui. Bah évidemment, on a un code, une promo. Bah oui. Avec le lien qui est où, mon Pascal? Dans la description, juste en bas. Voilà. Alors vous avez droit à 83% de réduction. Ça fait 2,03€ par mois. Et vous avez droit à 4 mois gratuits. C'est magnifique. Mais si, supposons, je change d'avis. Tiens, 45 jours, satisfait ou remboursé. Et si tu as une question, tu as une personne qui répond. 24 sur 24, 7 sur 7. Nickel. Allez, c'est parti. Allez. Bah écoute, si tu es prêt, on commence, hein. Vas-y. Premier life hack, mon Pascal, c'est l'histoire d'un poivron. Ouais, vas-y, ouais. Toi, tu les coupes comment, le poivron? Attends, la queue. Ah ouais, coupe par 4, ok. Eh ouais, voilà. C'est ça, en fait. Oh, c'est des beaux quartiers. Donne. Tiens. T'as un couteau? Tiens, j'ai un couteau, mon Pascal, regarde. Et évidemment, on fait attention. Donc, normalement, il coupe la queue. Ouais, il a coupé la queue en premier, c'est après, ça. Après, il coupe ça. Ouais, voilà. Et là, est-ce qu'on va avoir le même effet que dans la vidéo? Manque un. Il t'en manque un, il te manque un quart. Voilà. Ah ouais! Ah bah, eh. C'est trop stylé. Ils sont bons sur TikTok, dans les life hacks quand même. Regarde, il n'y a pas de pépin. Tu manges le poivron un peu? Ah, j'adore. C'est vrai, c'est bon en plus le poivron. Kiffe le poivron. Je pense que je vais même taper un croc dedans. Eh, franchement, enfin, moi je le bouffer. Chier. Mais moi je vais le bouffer. Ouais, l'idée est bonne. Moi c'est ce que je vais reprendre si je me fais des poivrons parce que, en fait, ce qui reste. Au moins tu le jettes. Premier life hack, fantastique. C'est validé. Et c'est validé. C'est validé, je valide. Deuxième life hack, mon Pascal. Ouais. Regarde ça. Alors, c'est des t-shirts. Elle les enfile au bras. Par le cou? Ouais, on dirait. Pourquoi elle fait ça? Elle va chercher des cintres. Comment elle fait? Ouais, j'ai compris. Tu le mets sur une. Donne-moi un t-shirt. Un t-shirt. Et un cintre. Un cintre. Voilà, monsieur Pascal. Ah ouais. Ah! Et voilà. Donc si tu mets 10 t-shirts, tu mets 10 cintres. Genre, je rentre par le col d'abord. Ah ouais, voilà, il a. Ouais, et voilà, mesdames et messieurs. Après, ouais. Tu mets les t-shirts sur un cintre ou pas, toi? Non, moi, non, bah, ils sont pliés, ouais, moi aussi. Mais moi, je trouve pas ça ouf. Je pense que. Excusez-moi, madame, mais vous avez rien inventé. Hein. Okay. Ah, c'est pour faire un cône. Tu crois? Pour mettre des frites. Une feuille de papier. Là. Ça nous rigole en deux. Voilà. Ah, ça y est, je suis perdu moi déjà. Ça y est. Ah ouais, t'as raison, je crois non. Ah, il va l'ouvrir. Et là, il met les frites ou les churros. Ah ouais. Hop à l'intérieur, voilà. Sauf qu'il en fait quoi de ce bout-là? Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais. C'est dur. Hein. Dis donc. Tu vas y arriver? Vas-y, Dan. Vas-y. Donc, vous prenez une feuille carrée. Exactement. Vous la pliez en deux. J'ai les magiciennes, tu sais, qui mettent deux jours à montrer leur truc. Voilà. On est d'accord? C'est bon. La deuxième extrémité, ça va être celle-là. Il fait, voilà. Et en fait, oui! Et ouais, c'est bon, on va la voir. Bon, la suite, j'ai compris. C'est vrai? Ouais, regarde. En plus, il a raison. Hop. En fait, eux, ils ont fait ça. Mais en réalité... Ouais, c'est ça. Tu le plies à l'intérieur. Tu fais ça. Et en vrai, ça suffit même comme ça. Allô. Voilà.
Le Cornevaille Pascal. Oh, c'est quoi ça? C'est un fruit? C'est une mangue. Là, une mangue, t'as raison. Oh! Ah, ouais, en plus, c'est chiant la mangue. Ah, c'est chiant. Alors, moi, pour la mangue, j'ai un autre truc. Tu ouvres ici au bout, là. Ouais. Tu prends une pince avec des dents. Tu prends. Ah, ouais. La même chose avec l'avocat. Ouais. Ah, ouais, comme ça, ouais. En plus, le nœud de l'avocat, il rend fou. Hein. Tu veux comme il glisse à chaque fois. Oh, non, mais tu prends. Alors, l'avocat, tu prends la lame de couteau. Tiens, déjà, hop, voilà. Fais attention, ne te coupe pas. On va protéger déjà. Voilà. Fais attention, hein. Parce que le coup comme ça. Mais c'est fou que ça soit aussi simple. Ah ouais, c'est parce qu'elle a la force. Hein. Tu vas prendre ta main, arrête. Tu veux que j'essaye? Vas-y. T'as vu quoi, c'est ça? Oh, on est pas loin. Non, hein. Mais y'a un truc, c'est pas possible. Mais tu fais ça comme ça, ouais, claque. J'avoue. Non, y'a rien. C'est appuyé. Oh ouais, franchement. Bah, on va pas manger la main. Non, mais c'est une connerie. Oui, c'est une connerie. C'est une connerie, c'est pas possible. Putain, faux life hack, c'est pas beau ça. Ouais. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est? Faire du ciment. Ah, arrête-le. Tu connais? Je connais. Arrête-le. Je sais même pas ce que c'est. Ah, moi je sais. Écoute, je le fais. Vas-y. Et après tu mets la vidéo. Allez. Donne. Papier alu, j'ai. Le plat. Je te montre avant que tu. Parce que tu n'as jamais vu la vidéo. Je sais pas ce que c'est. Regarde bien. On retourne le plat. Donc tu fais ça. Ouais. Ok. De toute façon, ne pas déchirer l'alu. Ah, évidemment. Tu retires ton papier alu. Et il est tu retournes ton plat. Et tu as ton alu qui rentre dans ton plat. Et au moins tu te rends pas fou parce qu'en plus ça doit rendre fou à faire ça à la base. Voilà. Ça c'est une vraie belle expérience. Hein. Tu crois que c'est ça? C'est sûr. Oh qu'il est fort. Oh là là. Eh, hey, prends un pinceau du beurre. C'est vrai, c'est ouais, moi ça. Ouais, c'est réglé. Il est où? Oh go. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Du persil. T'as du persil? Ben, j'ai du persil, mon Pascal, ouais, regarde. Ouais. Tac, et j'ai une râpe. Allez, voilà, ouais. C'est de la menthe, c'est pareil. Ça, ça sert à rien du tout. Hein. Ouais, c'est pour les moritos, la menthe. Voilà. Donc, le mec, il te montre ça. Déjà, faut que tu aies ça chez toi. Une râpe. Tu l'as pas. Après, tu l'enfonces là. Ouais, et tu le mets dedans. Ouais, et tu tires. Donc, ça, bien sûr, ça va retirer les feuilles. Donc, il te reste que les branches. Mais. Tu prends à l'envers. Et tu fais ça. Ouais, j'avoue. Ouais. J'ai que les feuilles. Ouais. Et en vrai, c'est beaucoup plus facile. Bidon, garçon. Ouais, garçon. Hein, hey, ça, c'est une râpe à fromage. C'est pas une râpe à menthe. C'est pas une râpe. Attends. Du gâteau. Non, du chocolat. Pff, oh, je suis fatigué, moi. Ah ouais. Ça, c'est incroyable. Alors, les gens se disent, ah mais comment ça se fait que je me retrouve avec un carré de chocolat? Eh ouais, en plus. Mais comme tu le découpes, ouais. Comme tu décales la grosse partie, oui. Donc forcément, il y a moins de chocolat. Il y a moins de chocolat. Tu carré de chocolat avant de te coucher, toi? Tu peux. Ouais, ouais, c'est très très bien. Faut prendre... Tu prends un carré, ouais. Et après, deux carrés. Un, deux. Une ligne. Donc, c'est-à-dire que si je coupe là... En gros, tu es pas mal, là. Attends, faut que je coupe là jusqu'à la moitié, là. Ouais, c'est ça. Ça, hein. Ouais. Après? Du coup, après, il continue. Regarde. Ah oui, ouais, pour faire le... Voilà, voilà. Il coupe là. Voilà. Quand tu retires celui-là, et que tu décales celui-là. Il a décalé. Ah, voilà, il a décalé lui, Ouais, donc non, en fait, regarde, il a fait ça. Ça. Voilà. Et oui, voilà, on triche un peu, mais on s'en fout. Et voilà. Et là, c'est la. Eh ouais, mais oui. Et tu te retrouves. Voilà. Moi, je mange pas de chocolat. Nouveau life hack, mon Pascal. Oh. Ah oui, mais dans ce cas, il faut... Ok. Un peu plus au niveau du tube, non? Ouais, voilà. Et évidemment, on va tout réutiliser, les amis. Si je rentre ça dedans, ok. Donc, quand t'as ça entre les mains, donne-moi ta brosse à dents, comment tu fais? Cette expérience-là, moi, je l'ai trouvé génial parce que c'est que de la base de mytho. Tu vas voir de quel côté ça va sortir. C'est mytho. Comment tu fais? Je suis dégoûté. Bah, c'était évident. Là, tu visses ça. Sur une partie rigide, c'est vissé, c'est-à-dire que tu as un filetage. D'accord. À l'intérieur. Là, t'as pas de filetage. Ah ouais, du coup, ça peut pas accrocher. Impossible. Ça veut vraiment dire quelque chose, hein. Qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit sur TikTok. Un bouchon. Ouais, j'ai compris. Tu fais fondre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il brûle? Il brûle le bouchon. Et il brûle le bouchon. Il brûle le bouchon. Déjà, le feu. Oh, oh, oh. Hop. Western. Ding, 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 ding. Il te dit pas combien de temps il reste. On essaye? Ouais, encore un peu, tu crois. Tu es prêt? Ouais, regarde, ça, tu vois?
au milieu. Vas-y, reviens. Eh, c'est bon, buvez à la bouteille, les gars, c'est bon. Non, c'est trop dur. Oh! Oh! Non, c'est dur, ouais, ouais. Life hack pas ouf, celui-là. Il y a un papier de toilette, non? Non, non, c'est pas un papier de toilette du tout, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est un avion. Donc, un carré. Un carré. Voilà, il met droit. OK. OK, voilà, c'est ça. La moitié, voilà, très bien. Ensuite, il continue à plier, t'as vu? Il plie la moitié exactement. Okay. Ensuite, allez, encore une fois, rien qui plie. Hey, on est pas bien là? On est très très bien. Ouais. Ensuite, encore une fois, non? Il va replier, non? Oh, le pire, c'est incroyable. Là, il tourne. Ah, voilà. Et il fait. Attends, tu peux aller trop vite là? Comme ça. Ouais. Et ça, soi-disant, c'est un avion. Est-ce que ça va marcher? Déjà, ton avis, est-ce que tu penses que ça va marcher? Je crois pas. Non, c'est pas possible. Je dis pas que c'est ça le résultat. Ouais. Attends, est-ce que tu lances dans le bon sens? Ah oui. Attends, je vais essayer. Bon ben, franchement, pas ouf celui-là. Il est mytho. Allez, life hack suivant. Alors le prochain. Oh, encore un avion? T'as un avion. Ah ouais, ça me parle. Ça me parle. C'est tout de la NASA, ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le bon papier. Tu penses que c'est du papier cartonné? Ah bah oui. Le collage, enfin le pliage, il est fou. Ouais, le pliage, il est ouf. Trop dur, hein, ça. Oh là là, il en a fait les ailes. Ah, il faut un élastique, on n'a pas d'élastique. Si, on en a un. Première, on plie en deux. La première fois. Attends. Ensuite. Ok, ensuite. Il déplie. Oui, il déplie. Parce qu'il plie, après il déplie. Voilà. Et après, il fait les ailes. Genre, le bec. C'est ça. Hein. Ouais, 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 parce que regarde, t'as vu les deux bouts, ils vont se toucher après. Oh là, tu es très bon, là. Après, il retourne. Voilà. Il replie. Ouais, c'est attends. Ça. Ouais, ouais. Oh, c'est complexe, là. Oh, ça va, c'est ça. Ça ressemble quand même. Ça ressemble de ouf, c'est pareil. Pour le moment, c'est sans faute. Là, du coup, tu as le bec, voilà. Mais je vais jusqu'au bord de la feuille. C'est pense. Ça. C'est une dinguerie. C'est comme ça, hein. Ouais, ouais, d'accord. C'est ça. Tiens, je crois qu'on va le faire gagner, cet avion, tellement il est body. Eh, ça ressemble, hein. Mais c'est. Regarde. Ensuite, il faut faire la phase de lancement. Ok. Il met l'élastique, mais le petit. Après, alors, il met l'élastique ici, ouais. L'élastique là. Dis-moi que ça rentre. Oh là, ça ressemble à un truc. Ça, c'est pas mal. Ok. Vous êtes prêts? Bon! C'est bon, ça marche. Oh, c'est une dinguerie, ça. Donc, ça fonctionne. Ah ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ça. En fait. J'ai la solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu retires ton bouchon, ouais. Tu peux le reboucher. Normalement, ouais. Comme ça, à peu près. Oh putain. Attention. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Il y en a pas. Si, ça va. C'est sûr. Ça va. Il y en a assez, tu crois. C'est dur. Donc le but, c'est que tu fasses fondre ça. Exactement, et que ça prenne la forme. Mais après, comment tu... Ouais. Ouais, en vrai, c'est pas ouf. Hein. Ah, attends, il y a quand même un petit truc là. Pour que ça fonde, faut y aller. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai même peur que le verre il pète un moment. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est bon, non? Bon, est-ce que tu penses que là, c'est. Attends, c'est pas chaud. Ah! Bon, soit ça tient. Ouais, il y a un petit truc. Hein. Et le bouchon? Le bouchon de la bouteille, il est là. Ah ouais, mais. Ouais, en gros. Non mais ouais, non, même pas ça marche. Tout marche, je trouve ça pas mal, l'idée pas bête. Voilà, là franchement on a un peu jugé vite. Fais attention. Ben en vrai il est pas mal celui-là. Ouais, après ça sent brûlé hein. Ouais, ouais, ça j'avoue. Pascal, pour le dernier on va dehors. On finit la vidéo en beauté, il paraît qu'il est bien. De toute façon on a pas le choix, faut qu'on aille dehors. Ouais, dans tous les cas, allez go. Allez, voilà, dernier life hack les amis. Allez, on revient. Bon Pascal, paraît que celui-là il est un peu spectaculaire. Ah bon ouais, il paraît qu'il est pas mal. Alors on a du papier alu, un ciseau. Oh. Une allumette. Ah, on dit des ciseaux. Hein. Oui, une paire de ciseaux. Oh, on va encore faire une. Ça va tourner. Oh, ça part. Pascal, il te fait décoller un avion en papier. Tu crois qu'une allumette et un coup d'alu, ça lui fait peur. Laisse tomber. Petit morceau de papier alu. On a les allumettes. Ouais. Pas mal, hein. Parfait. Okay, dans voilà. Après, au fond, il met ça au bout. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Ouais, là tu roules. Je roule combien longtemps? Bah jusqu'au bout. Je sais pas quoi. Faire une marche. Jusqu'au bout, hein? Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Putain, il est fort. Parce qu'on est à l'identique. On est à l'identique, regarde, là tu es bien. Ça fait genre un peu le style, quoi. Ouais. Franchement, je pense que c'est ça. Franchement, ça. Bah, c'est pareil. Et en fait, après, quand il allume, il y a le truc qui part. Putain, la pression, là. 4 heures, enfin. Bah, après, peut-être ça marche pas. Hein. Ah, franchement, la meilleure, c'était l'avion, hein. Je suis désolé. Bon, allez, elle marche pas. Voilà. Après, entre nous, la luce, c'est fait exprès pour que ça ne brûle pas. En fait, il le sait depuis le début. Tu as vu comme il est? Avant de s'en aller, mon Pascal, on remercie le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Voilà, la description. Le lien, voilà. Et vous savez à quoi vous êtes? Le lien est dans la description. Oui, le lien. La description est avec le lien. C'est exactement ça. Le lien est dans la description, voilà. Les amis. Et à quoi ça donne droit, mon Pascal? Combien de pourcents? 83% d'induction. C'est énorme. Incroyable, voilà. Jamais vu ça. Franchement. Énorme, énorme. Merci CyberGhost. Merci CyberGhost. Meilleur life hack, l'avion, incroyable. Ouais, l'avion top. Franchement. Si tu suis vraiment tout ce qu'il faut, si tu prends le bon papier. Ton avion, il peut voler loin. Ouais, je pense. De ouf. Ouais. Allez, salut tout le monde, les gens. Ciao.